Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Cloutyside, créateur de contenu français, pour venir découvrir le rap québécois. Donc, je lui ai préparé un éventail de 8 sons québécois à lui faire découvrir. Puis l'objectif, c'est de lui en faire aimer 4. S'il y a 4 approvals, c'est validé. C'est tous des sons que vous allez connaître, chers Québécois, chers Français qui se joignent à nous. J'espère que vous allez aimer un petit peu. Jugez-nous en commentaire si vous aimez pas ça. S'il y a quelque chose que vous aimez, ben ça fait plaisir, vous l'ajouterez à votre playlist. J'ai sorti 7 sons rap québécois. Okay. Vraiment, chacun dans leur propre univers. Il y en a qui vont être durs et qui vont être durs à te faire aimer. Je vois le premier, il est sorti il y a 14 ans déjà. C'est ça. Avec... On commence avec Cire Vas-y. Pathétique, Vas-y. Mon pays. Il fait très genre ça fait musique de partie poétique, tu vois ce que je veux dire. Ça date de 2006, ouais. 2006. Wow. Ouais. Non, en vrai le flow est bon et tout, tu vois, genre... Ça fait année 2000, ouais. Donc ouais. Ça marche, en fait. Ça fait année 2000. Non, franchement, je valide la moitié, on va dire, dans le sens où c'est pas un truc que j'écouterai en mode, vas-y, c'est du rap, c'est plus ça, bon, vas-y. Petit truc... changer d'ambiance. Patriotique, c'est vrai que ça sonne patriotique. Ça fait très genre rassemblement politique, tu vois ce que je veux dire. Mais après, niveau flow, etc., franchement, c'est bien. Parce c'est que, c'est, je vais pas te mentir, le monde du Québec rit un peu de Cire Pathétique. C'est un peu... Après, tu vois, je vais pas te mentir, je prends pas non plus le truc au sérieux, tu vois ce que je veux dire. Ben non, c'est ça. Si c'était vraiment un rap genre sérieux, là, je m'aurais dit non, vas-y, tu vois ce que je veux dire. Un autre artiste, tu m'as dit que tu connaissais, probablement que cette tune-là, tu la connais pas, qui est un de mes sons préférés de l'ordre, fait qu'on écoute ça. Ça s'appelle Médaille. Fais grimper le taux d'immortalité chez les moins de 30 ans. Le label donne un coup de pouce, le majeur reste indépendant. Une nouvelle étape dans le passeport. Oregon flair, until they ra-ra-ra-ra-ra. Oh. Yeah, tu sais que tu rends la ville quand tu peux plus y prendre une marche. Si on me donne pas le crédit, je vais quand même prendre le cash. En vrai, pas mal du tout. En tout cas, les couplets, ça me fait penser à... Je sais pas si la comparaison est bonne, mais un peu à Pifou et Oli dans un sens, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Peut-être que la comparaison est mauvaise, mais en tout cas, dans... mais je comprends. Pas dans les paroles, mais en tout cas dans le flow, etc., tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire quoi quand je le comprends pas trop, Pifou et Oli. Plus dans la façon dont les phases, elles sont séquencées. Tu vois ce que je veux dire? Plus dans les placements. Ouais, plus dans les placements. Mais l'ambiance, tout ça, non. Hein. Non, non, au niveau de la prod et tout, je pense non, pas. Non. Mais Big Flo Ali, est-ce que t'aimes? Mais, tu vois, ça j'aime. Okay. Ça, j'aime. C'est un, selon moi, un des meilleurs. Uh-huh. Quoi, ici, ouais, au Québec, non, il est bon. Groupe qui a vraiment marqué pas mal du monde de ma génération. Fait que tu sais, le monde peut-être 24 à 26 ans, là, c'est plein milieu de l'adolescence. Ça jouait partout dans le monde. Dead OBs, where they at. Les autres Dead OBs, ils ont eu un grunt aussi. Ouais. Oh, you at the club? Oh, yeah. You say you got thugs, motherfucker, with it. Tap sur ton Twitter, t'es un click, date straight shoot. Yeah, we been doing that. Sacroissement royal en train de crier, where they at. Là, j'ai des choses à dire sur ça. Déjà, bon, bah, tu ressens bien plus l'influence américaine sur ça. Là, 100%. Heureusement qu'il y avait les sous-titres, parce que même quand il parlait français, j'étais en mode. Il y a beaucoup plus de slang, genre québécois et montréalais, tu vois. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. J'ai bien kiffé la vibe du truc, etc. Par contre, si j'avais pas vu le clip, j'aurais trouvé ça plus crédible. Ah ouais, hein. Les bugs avec les post-stress là. Mais le son est bon, mais l'image du groupe, je les trouve pas trop crédibles en tout cas dans le clip. Niveau son, tu vois, ça coule tout seul, tu vois ce que je veux dire. J'ai bien kiffé. En pourcentage, t'as compris combien de lignes? Après le premier refrain, le premier mec qui rappe, ça va, je comprenais encore un peu. Le deuxième, j'ai rien. Mais en tout cas, dans la vibe du son, la vibe, j'ai kiffé. Je t'en ai parlé tantôt, tu ne savais pas c'est qui. Ouais, non, je sais pas c'est qui. Ça, c'est son gros hit. C'est ce qui fait qu'il a fait des gros festivals. C'est ce qui fait qu'il a passé à la radio. Tout le monde le connaît. T'sais. Même au Québec, le monde qui écoute pas trop de rap, ils connaissent pas le rap qu'il y a. Okay. Mais ils connaissent Fouki. On est gaillé, on est braillé, on est batté. Moi qui voulais arrêter de fumer. On est gaillé, on est gaillé. De Mike Chab, ouais, t'as connu. On a baillé un 7, j'en ai pas fait 5. On a parlé sexe, j'ai pris les deux seins. Des fois, j'suis un timbre. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur morceau que j'écoutais. Ah ouais? Tu vois, ça se prend pas au sérieux. Ouais. Le flow, il est cool et tout. La production, elle est sympa. Un peu simpliste, mais sympa quand même. Tu vois, ça fait le taf que ça doit faire. Et puis, le sentiment qu'il essaie de te transmettre, tu vois, le truc chill, etc. Il me l'a transmis. Donc, pour le moment, c'est le truc que j'ai préféré pour le moment. Ouais. Ok. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, bah pareil, en vrai, c'est chill, tu vois, d'écouter ça quand tu veux. Ça me donne envie de un gros joint là, j'ai pas de Ah ouais, c'est ça.
tantôt, je t'ai parlé de la F, ouais, la F avec leur projet. Ouais, ouais. C'est, je pense que c'est leur grosse track. C'est le gros single de, okay. du projet Citadel que je te parle, qui est le meilleur album qu'il y a, selon moi. Si les fleurs poussent dans la mer, on veut soulever la terre. Et si les fleurs poussent dans la terre, on veut partir vivre en mer. Tous nous salines, sous comme pas les miens. Mais je remets pas en cause les fesses ailleurs. On a tout fait, ce qui nous fascinait. Aujourd'hui, à venir vous fasciner. Oui, c'est ma faute. Peut-être un peu plus détendu. Mais en tout cas, là, ça avait l'air de se prendre un peu plus conscient. Mais j'ai pas, à part le refrain, je suis pas sûr d'avoir compris le propos. Bah, c'est très poétique, figure de style. Ouais. On dit des choses, mais peut-être sur Rap Genius. Puis que même avec le Rap Genius, faut que tu penses encore, tu creuses, tu sais, dans ta tête. En tout cas, la vibe était vraiment appréciable. Vous avez dit beaucoup de choses, des trucs que je pensais déjà. Mais c'est vrai que la direction artistique, sur, en tout cas sur ce clip-là, ben oui. Et je pense qu'en général, dans le groupe, elle est vraiment très très lourde. Ouais. Pour moi, niveau qualité de clip, c'est le meilleur truc que tu m'as montré. Après, comme Alexandre l'a dit, du fait que ça se voit que c'est un truc un peu plus conscient, ouais. c'est 90% des trucs qu'il a dit, à part dans le refrain, j'ai rien compris ça du tout. À part 2-3 mots, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi de capter le propos du son. Et vu que là, c'est plus centré, genre, c'est un message, bah, je l'apprécie un peu moins. Je vais pas dire que c'est nul, mais pour moi, c'est le morceau que j'ai le moins enjoy dans le sens où, vu que j'ai pas compris le truc, mais du fait que dans les paroles, ben, j'arrive pas à comprendre ce que tu me racontes, tu vois. Et que vu que c'est censé être lyrique et. C'est basé beaucoup sur les paroles, puis t'as pas trop compris. Ouais, donc, on va dire, je valide à moitié dans le sens où, ben, tout le reste, c'est genre à 8, 10 sur 10, tu vois. Et là, on tombe sur À la Claire qui est. Ils ont pas mal été dans le même temps que Dead Obies. Amène un mojito à saveur provigo, on va se promener en bétaine. Oxy des plats pour des types pour la semaine. Fais-moi du pain, bébé, fais les maisons. Fais-les goûter, y'a plus mettre du gluten. Bon, moi c'est le premier morceau que j'ai pas validé là. Ah ouais, oh, j'arrive pas. Dans le sens où j'arrive pas à prendre au sérieux, tu vois. Vraiment, la toune puis le clip, ils ont vraiment comme été chercher tous les plus gros stéréotypes du Canada-Québec. Ouais. Ça veut absolument rien dire, juste pour rire de comme à quel point ça veut rien dire. Ouais. Ça, j'ai bien aimé, c'était pas prise de tête, c'était lourd pour rien. Et c'est ça qui j'apprécie. C'est tout un zéro validé, c'est un gros X. Fatal Bazooka. Ouais. Il a du haut, ça boule. Des fois, j'ai l'impression d'être pas plus haut, ça boule. Maradona, Araova, ça boule. On s'appoule de la boule. Ça frappe comme la poule. C'est vrai que là, tu vois, vu que là, c'est vraiment un truc, c'est vraiment en mode second degré poule. Ouais. Là, tu vois, je peux plus apprécier le truc. Ça me fait penser à tous les rappeurs français qui font ce qu'ils ont fait dans ce truc-là. C'est aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, tu vois, en France qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, vu que ça me rend un peu nostalgique. Donc, ça, j'aime bien. Ça, ça passe. Ça, c'est cool. On va écouter Roger, brillant. Roger, je pense que c'est celui qui a le plus de chances de me faire veiller. Vu que Roger, j'aime bien ce qu'il fait. Hein. Ça parle sur moi, mais j'ai la recette. Vite, en Kenzo, hein, j'arrête mon set. Plus fraîche que toi, jusqu'au jour 7. Veux que j'ai dansé avec Sylvain Cossette. Beaucoup trop brillant. Quand tu me vois, tu viens malvoyant. Design et tuer, c'est ce que je porte tout le temps. Juste un jeune, en avant sur son teint. Non, Roger, j'aime bien ce qu'il fait. Même si des fois j'ai un peu du mal avec la façon dont il construit ses rimes. Vu que je trouve que des fois ça peut devenir un peu redondant, tu vois. Ouais, Mais Roger, en vrai, après Jeune Loup, en vrai, j'ai dit que c'est mon artiste qui fait quoi que j'aime le plus après. Ah ouais. Non. Celui que j'ai le plus aimé, je dirais. Gaillé. Ouais, Gaillé. Ouais, ça t'a vraiment Gaillé, donné le goût de fumer. Hein. Non, même pas par rapport à ça, mais surtout la façon dont le son il est fait, etc. Pour moi, la musique, surtout à travers le message et la vibe que ça essaie de te faire ressentir. Ouais. Et parmi tous les trucs que tu m'as fait écouter, c'est ce morceau-là qui. Enfin, le truc que l'artiste voulait que je ressente, je l'ai ressenti. Le Gaillé de Fouki, c'est le morceau. Je regarde la caméra. Ouais. C'est un bon. Donc 4 sur 7. Ouais, quand même bien. Ouais. Mais je t'enverrai en tout cas une petite playlist là, de trucs québécois. Moi, je suis chaud de ouf. Content que t'aies apprécié. On retourne au podcast.